Flavie Flamand, la biographie de Flavie Flamand. Animatrice de télévision, Flavie Le Canu, plus connue sous le nom de Flavie Flamand, naît le 2 juillet 1974 en Normandie, et elle est née d'une famille de 3 enfants à 14 ans. Flavie Le Canu était élue Miss Hockey pendant l'émission de Nancy Smith, Hockey 1988. Elle prend le nom de Flavie Flamand en 1989 en acceptant de présenter Boulevard des clips avec Laurent Boyer sur M6. Elle obtient son DUT de langue étrangère appliquée en 1994, et devient l'assistante de production de Christine Bravo sur son émission Foufou sur Antenne 2, puis elle est chargée de production pour Ça déménage sur la 5e. Elle intègre Canal+ en 1998, d'abord en présentant la météo puis en collaborant à l'émission de Philippe Gilda, un autre journal. En 1999, elle retourne sur M6 pour présenter les émissions Unisex, et toutes les télés après avoir testé toutes les grandes chaînes hertziennes, elle intègre finalement TF1, et présente chaque jour en direct l'émission exclusive. Animatrice vedette de la première chaîne, elle présente ensuite Star à domicile, Nice People et Saga. Pas vraiment bouillant de culture donc. Elle fait la connaissance de Benjamin Castaldi sur un plateau de télévision et l'épouse en 2002. Toujours fidèle à TF1, elle enchaîne les émissions, comme Les 500 choristes ensemble, Vis ma vie et en 2009, une émission de télé-réalité, Le Venbluff. Mais les divorces s'enchaînent alors, avec Benjamin Castaldi en 2008, et avec TF1 en 2009. Elle rejoint alors la chaîne Jimmy. Depuis août 2010, elle anime sur RTL Tout le plaisir, et pour nous puis depuis août 2011, On a fait pour s'entendre toujours, sur RTL. Flavie a 2 enfants, Antoine, né d'un premier mariage, et Enzo né en 2004 de son mariage avec Benjamin Castaldi. Point.